Bon, au début, je suis arrivé dans l'optique de gagner, on va être honnête. Ça fait un an qu'on se connaissait. On se connaît depuis la fac en fait, depuis la première année de psycho. On se connaissait pas, mais maintenant on se connaît et on va pouvoir jouer ensemble. Bah, tout simplement parce qu'on est frères, du coup on joue entre nous depuis qu'on est tout petit. Avec Dragnir, on joue dans la même légion depuis 2-3 ans. On s'est rencontrés grâce aux différents forums et Discord. Ouais, on se connaissait avant en fait, on se connaît depuis 3 Ultimate. On rigole, on se tape des barres. À un ami qui débute le jeu, je dirais tout simplement que c'est le meilleur jeu. Bah, je dirais tout simplement que c'est un jeu qui est unique dans sa façon d'être, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ce type de gameplay. Bah, je leur dirais que c'est cool, il y a du co-op, et puis on s'amuse bien. Que Monster Hunter, c'est un jeu d'équipe, voilà, c'est un jeu de chasse, c'est un jeu où on se fait des amis. Alors moi je voudrais juste rajouter qu'à une personne qui connaît pas le jeu, je lui dirais que le jeu est juste magnifique et qu'il n'y a pas besoin d'être talentueux, d'être bon ou d'avoir du temps pour jouer à Monster Hunter. Il suffit juste d'avoir des amis ou même de jouer tout seul pour passer le temps et franchement on s'éclate. Alors moi mon monstre préféré sur Iceborne c'est le Rajang. Ça serait vraiment le Nargacouga. Personnellement mon monstre préféré c'est le Nargacouga car il est beau et fluide et sympa à combattre. L'événement était vachement bien organisé, les horaires de passage avaient même de l'avance donc du coup c'était vachement avantageux. Ouais, c'était cool dans l'ensemble quoi. On s'est amusé, on a passé un bon moment. L'événement était génial et on espère qu'il sera là de nouveau l'année prochaine. C'est que du bonheur. Le niveau français, malheureusement, n'est pas assez représenté et pourtant, étant donné qu'on utilise un peu les menus en anglais, etc., les gens ne savent pas que le niveau français est très 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 élevé. Et par rapport à ce tournoi, on reviendra encore et on espère un peu si on peut participer un peu dans le monde et voir que les Français sont quand même assez forts dans cette communauté qui est Monster Hunter.